Bonjour, ici Hélène Rando, je suis la nutritionniste du Trio Gourmand et aujourd'hui dans mon garde-manger, j'avais envie de vous donner mon petit truc, moi qui ne suis pas du tout jardinière, mais qui arrive quand même à conserver les plants de basilic qu'on achète à l'épicerie plusieurs semaines, alors que dans mon entourage, j'ai quand même remarqué qu'il y avait des assassins de basilic. Non, je ne nommerai pas personne, mais vraiment des gens qui donnent beaucoup de fil à retordre à cette petite plante qui, ma foi, ne demande pas mieux qu'à vivre et à embaumer votre cuisine de son parfum exquis. Alors, la première chose que je fais quand je reviens de l'épicerie, c'est que je vais retirer l'emballage de plastique autour de mon pot et je vais choisir un cache-pot ou ça pourrait être quelque chose d'aussi simple qu'un bol que vous avez dans la cuisine, mais qui est plus grand que le diamètre du pot. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir déposer notre pot. Attendez, je vais le prendre avec un autre transparent parce que vous allez bien voir. Vous allez mieux voir. Donc, on va le déposer dans un pot, dans un contenant, et on va arroser le basilic par le bas. D'accord? Jamais par le haut. Pourquoi? Parce que ça va faire moisir les petites feuilles, les petites tiges fragiles qui se trouvent ici. Le sol est quand même un petit peu sablonneux. Donc, quand vous allez arroser votre basilic, vous allez lui donner de l'eau, comme ceci, indirectement, en passant par la base. Et ce n'est pas nécessaire non plus que le basilic nage dans une piscine olympique. Ça lui prend un peu d'eau comme ça par jour. De toute façon, il va vous le montrer lorsqu'il commence à flétrir et qu'il a besoin de son eau. Ça peut être à tous les jours ou à tous les deux jours. Autre chose, vous le placez dans un endroit bien ensoleillé, bien lumineux. Et pour choisir le basilic au moment de l'utiliser, beaucoup de gens vont pincer, vont prendre les grosses feuilles ou les feuilles à la base ou un peu n'importe comment finalement. Alors que ce que je peux vous conseiller, ce serait par exemple d'aller partir vers les tiges les plus hautes et de venir pincer juste au-dessus des petites feuilles qui sont en train de pousser de part et d'autre de la tige principale. C'est cette partie-là que moi, je vais utiliser ce soir dans ma petite salade de tomates ou sur mes pâtes, etc. Regardez, je vous en fais un autre. On en voit un ici. Donc, au lieu de venir juste prendre n'importe quelle feuille au hasard, on va venir pincer la tige et utiliser celle-là. À ce moment-là, ça va permettre aux tiges et aux feuilles qui sont en dessous de grandir et de vous procurer encore beaucoup de plaisir pour plusieurs semaines. Voilà!